J'ai Bonjour et bienvenue dans le numéro 16 de JAF ta mère sur RLP 102.3, l'émission de l'association Équité Parentale avec Stéphane dans les studios de RLP. Aujourd'hui au programme les actualités avec beaucoup de rencontres politiques, une nouvelle intervention de Maître Hamas et puis surtout une critique de Maître Aubéry Salcroix sur l'état des institutions de la justice après cette reprise du Covid. Nous discuterons un petit peu avec Nicolas Vinto des problèmes de la demi-part fiscale et des allocations CAF à partager. Puis nous aurons surtout une grande discussion avec David pour une nouvelle étude de cas afin de voir ce qui se passe quand ça se passe mal. Voilà. C'est JAF ta mère numéro 16. À tout de suite. Vous êtes sur RLP 102.3. Les rencontres politiques du moment. Donc en mai, nous avons rencontré avec l'association Égalité parentale de M. Thierry Burger, notamment Johanna Gorayeb, conseillère à la justice du Premier ministre Édouard Philippe. Elle se dit sensible à notre cause, mais elle pense que la loi est bien faite, c'est l'application qui ne suivrait pas. Bon, c'est pas prioritaire à cause du Covid, elle va étudier nos demandes avec son homologue à la chancellerie après l'été. C'est gentil, madame. Nous avons également rencontré Nathalie Elimas, députée du Val-d'Oise, membre de la commission des affaires sociales, qui semblait, elle, plutôt réservée par nos revendications, mais rassurée par des propos pacifistes pour ce sujet qui concerne un couple sur deux, ainsi que les parents, les beaux-parents et les grands-parents. Elle va lire nos documents et nous auditionner dans le cadre de la mission de conseil qu'elle coanime. Le 14, nous avons également rencontré Isabelle Florenne, députée des Hauts-de-Seine, membre de la commission des lois, secrétaire de la délégation du droit des femmes. Elle est très au fait des problématiques liées à l'inégalité parentale. Elle serait partante pour aider à pousser pour la RA, la résidence alternée. Elle va se rapprocher de ses collègues et également du MoDem de Philippe Latombe, qui était porteur de la PP en novembre 2017. On la connaît bien ici, vu que c'est ce qui avait fait le mouvement fondateur du 16 mai 2018. Et donc elle ira aussi voir Sophie Oconi, qui est très motivée pour s'impliquer. Au cadre des rencontres, Monsieur Julien Borowczyk, député de la Loire et vice-président de la commission des affaires sociales. C'est un médecin en activité, il soigne les dégâts de résidences alternées inégalitaires, on va dire ça comme ça. Donc il va contacter les quatre députés, qui veut s'impliquer, visiblement lui il serait ok aussi, à voir. Prochaine réunion dans un mois. Madame Laetitia Romero-Dias, députée de l'Essonne, membre de la commission des affaires sociales et du groupe d'études des droits de l'enfant. Bien au fait de ce problème qu'elle avait étudié en début de mandat, convaincue par la justesse de notre démarche, elle va voir avec Adrien Taquet, qu'elle connaît bien, comment aborder au mieux ce sujet en politique. Portée par le gouvernement, par les députés, du côté de l'ENM, elle reviendra ensuite vers nous. Nous avons également rencontré Jacques Maire, député des Hauts-de-Seine. Bon, la défense de la RA n'est pas sa priorité, il ne peut pas être leader sur ce sujet. Pour autant, il approuve notre combat et soutiendra les députés qui porteront une proposition de loi. Et pour finir, Monsieur Thomas Meynier, député de Charente, membre de la commission des affaires sociales et droits des femmes. Bon, sur la trentaine de députés rencontrés, c'est notre première entrevue qui n'a duré que 30 minutes. On va quand même constater que pour défendre l'égalité parentale et la résidence alternée, ce sont les femmes qui sont nos interlocuteurs, qui répondent le mieux et qui s'investissent le mieux. Il faut quand même le signaler. Vous êtes sur RLP 102.3.
Covid, il a bon dos le Covid, tout ce qui marche pas c'est la faute du Covid, tout ce qu'il faut faire qui nous plaît pas c'est toujours la faute du Covid. On s'est quand même beaucoup plaint durant ce confinement de ce qui se passait à l'ASE, au juge des enfants, au juge des affaires familiales, dans la justice de manière générale. Eh bien, quel est l'avis de Maître Aubéry Salcroix en ce domaine? Allez, c'est parti. On sait qu'au fond ça vaut le coup, balance ta... Maître Aubéry Salcroix sur RLP 102.3 FM. Balance ta robe. Nous n'oserons pas chanter d'aller vous faire en monde. Nous on passera à la radio parce que nos mots sont bien plus beaux. Maître Aubéry Salcroix sur RLP qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour, vous allez bien? Oui, très bien, et vous? Bah écoutez, moi ça va, le confinement a repris, mais dites-moi, dans l'industrie de la justice, là tout se passe bien? Oh, comment dire, c'est un petit peu folklorique, ça dépend des sièges, ça dépend des tribunaux, ça dépend des juridictions au sein des tribunaux. C'est pour les avocats en ce moment, c'est honnêtement une vraie galère. On a des juges aux affaires familiales qui se tiennent avec dépôt de dossier, donc sans les parties qui sont entendues, ni les avocats d'ailleurs, puisque comme dès que c'est une procédure écrite, on n'a pas le droit de citer. On a d'autres audiences où la comparution des parties est obligatoire, notamment les audiences de conciliation. Bon, bah là, on joue au dé, hein. Certains tribunaux reçoivent, d'autres reçoivent pas, renvoient, et alors je vous passe les détails sur les délais de renvoi qui sont à plusieurs mois. Généralement, là, nous, sur Aix-en-Provence, c'est à peu près au mois d'octobre, octobre-novembre pour les renvois, vu qu'il va y avoir les vacations judiciaires. Et quant au juge des enfants, là, c'est la cour des miracles, c'est-à-dire qu'ils n'ont toujours pas repris. Et quand les enfants sont en danger, comment on fait? Ils statuent avec des procédures d'urgence, mais il n'y a pas d'audition, il n'y a parfois pas d'avocat, ou seulement les avocats, mais on doit plaider masqué, on s'entend pas, enfin c'est vraiment de la dernière minute, on n'a pas accès au dossier parce que c'est consultable que dans le bureau des greffes, que l'accès aux tribunaux est hyper restreint en termes d'horaire, donc c'est vraiment très compliqué, fallait tout autant l'expliquer à nos clients. On fait vraiment notre maximum pour pouvoir assurer la gestion des dossiers parce que c'est pas plus drôle pour nous, hein. Mais malheureusement là actuellement le service public de justice dont on nous a dit gentiment aux informations qu'il avait été assuré pendant tout le confinement, on se demande où il est passé, hein. Oui, on nous a raconté plein de choses aux informations durant le confinement. Ah oui. Beaucoup. Vous avez vu des choses vraiment anormales, vous? Le civil, pas tellement. Par contre, au pénal, oui. Et je pense que l'affaire a dû être médiatisée. En tout cas, chez nous, elle a eu un certain écho. On avait un détenu qui était donc en détention provisoire. Donc, je rappelle que quand c'est comme ça, on est gardé en prison dans l'attente d'être jugé, hein, donc, on n'a pas été déclaré coupable. La première audience a été reportée pour cause de confinement. Quant à la deuxième, on s'est dit que de toute façon le confinement serait toujours en place au moment du renvoi, donc on allait juger sur place sans avoir extrait le détenu de prison et sans avoir écouté son avocat qui n'a pas même été convoqué à l'audience. Bon, évidemment, ça a été appel direct, hein, puisque c'est complètement liberticide. C'est quoi ? C'était un gilet jaune ? Qu'est-ce qu'il lui voulait ? Pourquoi lui ? C'était une infraction, une infraction basique, j'oserais dire, une histoire de simple vol en fait, hein, cambriolage pour être exact. Donc il est resté en prison plusieurs mois sans avocat et sans jugement. Alors, c'est-à-dire que dans le cadre du confinement, on nous a dit on remet dehors des personnes dont le dépôt en maison d'arrêt n'est plus absolument nécessaire, donc c'est bien parce que d'habitude nous on trime pour l'obtenir, on l'a jamais. Donc certains détenus ont été libérés, mais ceux-là avaient déjà été jugés. Et d'autres qui étaient en attente d'être jugés ont été maintenus sans audience en prison, d'accord, puisque normalement toutes les audiences de prolongation doivent être tenues en présence d'un avocat ou de la personne et de la personne qui est présentée. Là ça n'a pas été le cas, donc on a des personnes qui n'étant pas jugées ont vu leurs audiences reportées, du coup leur détention provisoire aussi.
Et c'est simplement inadmissible. Rappelons encore une fois, ils n'ont pas été jugés. Donc, c'est des gens qui potentiellement sont encore innocents et qui font de la détention. Et actuellement, dans les maisons d'arrêt, l'ambiance n'est quand même pas au top, quoi. C'est des conditions qui sont particulièrement difficiles à vivre. Ok, très bien. Voilà. Eh bien, écoutez, bon courage à vous et puis à bientôt. Je vous remercie. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Un jour peut-être ça changera. Vous êtes sur RLP 102.3. Nous allons également faire un point sur cette problématique de la demi-part fiscale ou des demi-allocations que nous tentons d'avoir pour nos enfants. Dans le cas de la résidence alternée, nous avons plusieurs de nos membres et organisateurs qui ont entamé des procédures juridiques. Nous attendons les résultats pour faire une émission spéciale consacrée à ce sujet, sachant que nous tentons ni plus ni moins que de faire bouger les lignes du Code de la Sécurité sociale. Mais, avec Nicolas, nous allons en reparler un peu aujourd'hui. Parce que, vous voyez, on est toujours là, et même si la justice avance lentement, nous sommes dessus. Oui, bonjour Nicolas Vintot, nous avons déjà parlé un petit peu avec toi en janvier dernier, avec l'interview aussi du rassemblement devant les préfectures avec Nimaga Toumani fin janvier. Tu as la particularité de t'intéresser à l'aspect juridique, l'approche juridique de la difficulté que peuvent avoir les parents en résidence alternée à avoir notamment la moitié des allocations familiales et être considérés par les impôts pour la demi-part fiscale. Alors, c'est un peu technique, c'est un peu juridique, mais est-ce que c'est bien ça? Oui, c'est ça. En fait, tout ce problème-là est issu de mon expérience personnelle. Le tribunal, donc le juge aux affaires familiales, dans le jugement, a dit que j'avais uniquement une résidence, que j'avais un droit de visite de à peu près 45% du temps, pas de pension alimentaire à payer, mais la moitié des charges scolaires et extrascolaires à payer. Donc en gros, j'ai la moitié des charges, j'ai les enfants chez moi à quasiment à mi-temps, mais aux yeux de, c'est pas marqué dans le jugement, c'est qu'un droit de visite. Et il y a un problème, c'est que aux yeux de la CAF, je suis considéré comme défaillant. C'est-à-dire que la CAF n'a aucun moyen dans ses formulaires d'écrire que mes enfants sont chez moi quasiment à mi-temps et que je paye la moitié des charges pour eux. Conclusion, je suis considéré comme un père défaillant alors qu'ils sont chez moi. Et pire que ça, donc la mère de mes enfants a été considérée comme mère isolée et elle a bénéficié pendant 4 ans de l'allocation de soutien familial alors que moi on me menaçait de procès parce que j'étais défaillant. Et donc, je peux pas accepter qu'on me considère comme un père ayant abandonné ses enfants alors qu'ils sont chez moi à mi-temps, quoi. Oui, mais là, on va faire par extension. Tu parles de ton dossier, mais de manière générale, moi, je vois arriver en permanence des gens qui ont la résidence alternée, donc qui ont 50-50, qui ont la moitié du temps. Oui. Et devinez qui a l'allocation pour la rentrée scolaire fin août. Eh ben, ce n'est absolument pas eux. Donc, que ce soit pour le calcul du RSA ou pour les APL, pour ceux qui sont parmi les moins bien lotis, ou de manière générale les allocations, les enfants qu'ils ont chez eux la moitié du temps ne sont pas mis dans leur calcul parce que la demi-part fiscale n'est pas reconnue par le Code de la Sécurité sociale. Et donc, si tu avais l'enfant à mi-temps, mais que vous n'êtes pas mis allocataire principal par la CAF, vous n'avez absolument rien. C'est ça. C'est-à-dire que pour la CAF, je pense que c'est pour des raisons de facilité du calcul, la CAF ne donne toutes les aides à un seul des deux parents, mis à part l'allocation familiale. Donc ça veut dire que même quelqu'un qui est en résidence alternée n'a rien d'autre que l'allocation familiale et ça met des gens dans des difficultés absolument terribles. Parce que comment on peut s'en sortir avec pour quelqu'un qui est par exemple au RSA, un RSA calculé sur lui tout seul alors qu'il a deux enfants à mi-temps. J'ai eu le cas, là, une personne qui m'a contacté récemment. Il avait le RSA, 2 enfants à mi-temps chez lui et absolument aucune aide pour ses 2 enfants. Et il était dans une détresse financière absolument terrible. Pour se chauffer, il devait aller voler du bois dans les forêts et il fait comme il peut. Mais voilà, c'est une cause de réels problèmes dans certains foyers monoparentaux. Et il faut faire quelque chose, quoi. C'est pas possible que ça continue comme ça. Alors, Maître Aubéry Salcroix, qui intervient régulièrement sur notre antenne, nous avait indiqué qu'elle avait trouvé une astuce, elle, pour ses clients et pour les jugements auxquels elle arrive. Elle demande au juge de marquer,
en cas de résidence alternée, que le parent qui est allocataire doive reverser la moitié des allocations à l'autre parent. Elle le fait marquer dans les conclusions du jugement, comme ça c'est recevable, et juridiquement on peut demander l'application, et donc même si la CAF, elle, ne veut pas diviser les allocations, eh ben, le juge impose que le parent receveur reverse à l'autre. Alors, c'est effectivement quelque chose que j'ai vu aussi, bah d'ailleurs c'est une des possibilités qui avait été offerte par la Cour de cassation dans un avis qu'elle avait donné à la demande d'une avocate ou d'un avocat sur la question de charge complète et permanente, je crois que ça s'appelle. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a un texte de loi, je saurais plus vous dire quel article, hein, qui dit, dans le code de la sécurité sociale, qui dit que les allocations sont versées aux parents qui a la charge globale et permanente pour ses enfants. Mais cette notion-là donc a été bien définie par la Cour de cassation, et la Cour de cassation considère effectivement que même si l'enfant est en résidence alternée, mais quand il est en résidence alternée, il est à la charge complète et globale du parent qui l'accueille chez lui. Ce qui signifie que l'enfant qui est en résidence alternée est à la charge complète et globale à mi-temps chez l'un des deux parents. Donc, logiquement, les deux parents doivent bénéficier de quelque chose si leur situation personnelle le permet. Bon. Voilà. D'accord. Je crois qu'il y a quelques dossiers qui sont sous le coude. On en parlera plus tard lorsqu'ils auront été jugés, que les jurisprudences auront été là. Mais c'est aussi une manière de montrer que l'association est encore attentive à ce problème de discrimination et de ce problème de demi-part fiscale, hein, qui est confronté très clairement au code de la sécurité sociale qui instaure l'unicité. Donc, on ne peut pas diviser en deux. Eh bien, écoute, tu verras nous en reparler lorsque tu auras plus de procédures. Bah écoute, j'en reparlerai quand on sera un peu plus avancé. Bon, il y a eu des choses très positives là très récemment. On a fait avec quelqu'un un courrier à la CAF demandant le partage des aides. Ce courrier était très très argumenté avec des jurisprudences, des réglementations et tout ça. C'est un long courrier de 9 pages. La CAF a accédé à la demande du demandeur sur ce simple courrier, a priori sans qu'on ait besoin d'aller au tribunal. Donc j'espère que... Alors, il y a encore quelques points à finaliser, mais en tout cas, quand on en saura plus, en tout cas, et qu'on cernera mieux les réponses de la CAF, et bien, je pense qu'on rendra public ce courrier, histoire que d'autres personnes puissent l'utiliser, parce qu'il semble fonctionner, quoi, et qu'il faut faire quelque chose. Il y a trop de gens en détresse à cause de ces histoires-là, quoi. Absolument. Moi, j'ai beaucoup de cas en permanence. À partir du moment où il y a une séparation, la CAF met là, très souvent, statistiquement, c'est la mère qui devient locatrice principale. Et même s'ils ont la résidence alternée, ils ont absolument aucune prise en compte de l'enfant ou des enfants à mi-temps chez eux pour le calcul de leurs allocations. Et effectivement, ce n'est pas juste. Et cela mérite que l'on s'y intéresse. Tout à fait. Ok. Merci Nicolas, à bientôt. Merci. Merci à toi pour ton travail aussi. Merci. Vous êtes sur RLP 102.3. Petite piqûre de rappel, Maître Hamas nous explique pourquoi il ne faut pas que les conflits familiaux dégénèrent pour aller vers les services sociaux et l'ASE, parce que c'est un chemin de croix sans fin où il n'y a quasiment aucun recours, aucune possibilité, aucune marge de manœuvre. Nouvelle intervention de Maître Hamas sur les antennes de RLP. Bonjour, je m'appelle Michel Hamas, je suis avocat au barreau de Marseille et j'interviens depuis plusieurs mois dans les dossiers d'enfants placés, et comme certains de mes confrères, nous avons commencé à dénoncer ce qui se passe dans le secret des bureaux des juges pour enfants, parce que ce sont des audiences à huis clos, il n'y a pas de public, il n'y a pas de journaliste, il n'y a personne, et ils peuvent faire ce qu'ils veulent, et surtout n'importe quoi. On va dénoncer des dossiers, sans donner les noms des gens, pour que vous sachiez ce qui se passe et que vous puissiez faire écho et vous battre avec nous. Un homme roulait avec sa femme, en voiture, ils ont un accident, elle meurt. Il la tue. Par accident. Plusieurs enfants, 4. Au bout de quelques semaines, le monsieur est en souffrance, les enfants arrivent un peu en retard à l'école. Aide sociale, placement de 4 enfants dans 4 lieux différents. Au lieu de lui accorder une assistante sociale, au lieu de l'aider, au lieu de lui tendre la main, on lui a pris tous les enfants.
Au bout de quelques mois, on renouvelle la mesure. On a une audience où j'ai entendu les gens de l'aide sociale à l'enfance, c'est-à-dire ils étaient plus de 8, puisqu'il y avait beaucoup d'enfants, dire ça se passe très bien, très très bien, vraiment, c'est une merveille ce placement, ça réussit trop bien, les enfants s'intègrent, ils ont des bonnes notes. On a fait remarquer qu'ils avaient oublié de dire que sur 4 enfants, il y avait eu plusieurs agressions sexuelles, 2, dont une actuellement en instruction, on n'a pas le droit de toucher sexuellement les enfants des autres, hein, il faut le savoir, que un des enfants avait dû être sorti de l'école pour harcèlement. Et ils n'ont pas dit non plus qu'il y avait eu 7 fugues. 7 fugues, ça veut dire que ça ne marche pas. Ça veut dire que c'est un échec. Et quand on leur fait remarquer que c'est un échec, ils sourient. Ils sourient et ils nous regardent avec un mépris et avec une morgue qui n'a aucun équivalent dans tout ce que j'ai vécu en 25 ans de bar, ben les assises, rien n'est plus violent qu'une audience de juge pour enfants. Alors, relayez ça. C'est pas possible qu'on laisse ces gens souffrir tels qu'ils souffrent à l'heure actuelle. Vous êtes sur RLP 102.3. Seconde partie d'émission maintenant avec une discussion avec David. Dont vous allez découvrir l'histoire en même temps que moi lors d'un dialogue qui va durer un peu plus d'une demi-heure. David qui rencontre une compagne, ils sont amoureux, un enfant arrive. Malheureusement, une séparation un peu précoce, la difficulté, le sentiment d'être manipulé pour avoir une pension alimentaire, la difficulté pour voir sa fille, la demande de la résidence alternée, les forces de police qui montrent des rapports déséquilibrés dans le traitement des affaires suivant que vous êtes un homme ou une femme. Enfin, on continue de montrer la réalité du 21e siècle en France telle qu'elle existe. Hein. Nous rappelons que nous militons pour la RA, la résidence alternée, pour ne pas, justement, qu'il y ait quelque chose à gagner lors des séparations, pour ne pas que les enfants soient des enjeux, que les intérêts financiers ne prennent pas le dessus sur l'intérêt des enfants. Explication de texte, quand ça part en vrille, et ben ça fait comme ça. Voici maintenant le témoignage de la semaine. David, vous avez rencontré madame en quelle année ? En 2016. D'accord, c'était bien. 2016 au travail. On travaillait dans la même boîte et puis on s'est rapprochés et puis les choses se sont faites naturellement en ce sens. Et vous êtes mis ensemble au bout de combien de temps ? Très rapidement, très rapidement, au bout de, je pense, dans le mois qui a suivi, en fait, on s'est plus lâché. Plus jeune qu'elle ? Non. Non, elle est née en 90 et moi en 87. D'accord. Et l'enfant est venu au bout de combien de temps ? L'enfant est venu au bout de la quatrième année, donc en 2019, le 11 mai. D'accord. Il était voulu, désiré ? Oui, je pense, oui. Oui, je pense. En tout cas, pour moi, on en avait déjà parlé. Quand elle m'a annoncé qu'elle était enceinte, elle me l'a dit subitement en observant ma réaction pour voir comment j'allais réagir. Et je lui ai dit que j'étais content, c'était super, et voilà. Et elle a souri, puis je lui ai dit que maintenant, il faut qu'on avance sur les travaux pour finir la chambre. Vous étiez vraiment content ? Ah oui. D'accord. Bon, les premiers temps, ça se passe bien ? On avait déjà des difficultés au sein de notre couple, je pense, déjà. Avant qu'elle soit enceinte ? Oui. Vous avez fait un enfant alors que vous aviez des difficultés du couple ? Oui. Oui. D'accord. Pour le dire, oui. Mais des difficultés que je pensais pas aussi, aussi importantes. Vous avez peut-être vous dire, comme certains, que peut-être que l'enfant ressoudrait le couple. Moi, ma vision, la difficulté avec mon ex-conjointe, c'était lié à l'environnement. C'est-à-dire que on vivait à l'époque dans mon appartement et dès lors que, à la base, quand j'ai acheté cet appartement, c'était un 2 pièces. C'était pas, je ne connaissais pas madame. C'était un appartement qui était en VFA. Et dès lors qu'on a commencé à vivre ensemble, elle me disait que ce n'était pas, qu'elle se sentait pas chez elle, qu'elle voulait un engagement commun. Je lui ai dit que moi ça me dérangeait pas. Vous êtes marié ? On n'était pas axés. D'accord, mais vous avez envisagé le mariage à un moment donné ? Oui. Vous l'avez fait ? Oui. Non. Pourquoi ? Non. Pourquoi ? Parce que déjà on devait poursuivre ensemble le catéchuminat ensemble, puisque à la base je suis de confession chrétienne et je suis baptisé, et puis elle voulait se baptiser également. Et du coup je me suis dit c'est le bon moyen d'avancer ensemble.
Et puis après, je sais plus vraiment pourquoi ça s'est terminé. Enfin, en gros, je saurais pas dire pourquoi on n'a pas poursuivi sur ce plan-là. D'accord. Je me rappelle plus. L'enfant arrive, vous l'avez reconnu? Ah oui. Et d'ailleurs, j'ai eu des problématiques avec elle par rapport à ça. Ah bon? Parce que oui. Parce que moi, je connaissais pas tous ces trucs-là de reconnaître l'enfant. Je savais que ça existait, mais si vous voulez, pour moi, quand on reconnaît l'enfant, c'est dès qu'il vient au monde, et voilà, on dit que c'est votre enfant, et vous dites oui, et voilà, vous signez un papier. Enfin, je voyais la chose comme ça. Mm-hmm. Et elle me parlait de pré-déclaration, de je sais pas quoi, et moi, je voyais pas le mal. Enfin, si vous voulez, j'étais pas dans le démarchage du truc, quoi. Et je pense que ça l'a pas plu. Elle me dit oui, tu veux pas reconnaître ton enfant. Je fais mais c'est pas vrai. Pourquoi? Enfin, directement, je sentais déjà comme si on me forçait la main en fait. Alors que pour moi, c'était tout à fait naturel. Quelqu'un visiblement qui cherchait un cadre et des repères que peut-être vous avez pensé que c'était plus naturel et peut-être moins formel. Oui, peut-être. Je sais pas, c'est une hypothèse, hein, après ce que vous me dites, parce que j'ai que votre son de cloche. Oui. Bon, c'est possible. D'après ce que vous me décrivez, c'est quelqu'un qui cherchait des repères, qui a parlé de mariage en premier, qui a parlé de reconnaissance de l'enfant avant qu'il n'arrive, alors que vous étiez peut-être un peu plus en tout est normal, tout va bien, tout se fait tout seul. Oui, voilà. D'accord. C'est vrai. L'enfant, vous êtes content, vous? Oui. Ouais. Bien sûr. Alors, il vient comme ça, vous gérez comment les premiers mois? Qui c'est qui s'en occupe? Les premiers mois? Ouais. Après la naissance, vous dites, hein? Ah, bien sûr, le moment le plus difficile, okay. En fait. Hein. Bah, les premiers mois, le soir, c'était moi qui m'occupais de ma fille. Et le matin, en fait, c'était moi qui la couchais le soir. Mais par contre, c'était la maman qui s'occupait d'elle. Je veux dire, dès qu'elle rentrait à la maison. En fait, ça dépendait à quelle heure je rentrais et quelle heure elle rentrait. Mais pour la coucher, je m'occupais d'elle. Parce que la maman, après, je peux comprendre. Hein. Moi, je dors plus tard qu'elle et que elle a besoin de sommeil. Moi, ça me dérangeait pas de... Elle donnait le sein? Au début, oui. D'accord. Les premiers mois, oui. Vous avez changé les couches? Oui. Oui? Vous avez donné le bain? Oui. Oui. Mais d'ailleurs, c'est moi qui ai donné le premier bain à ma fille quand elle est née. Ah, c'est un moment intéressant, ça. Hein. Ouais, c'est vrai. Ça, on est des pères contemporains. Hein. Nos grands-parents se comportaient pas comme ça, hein. Mais nous, on l'a fait. Mais ça, vous hein. voulez que je vous dise, je voulais que je vous dise quelque chose. Allez-y. Par rapport à ça, je me souviens que c'est la maman qui m'a demandé est-ce que tu veux lui donner son premier bain. Ben, c'est beau, ça. C'est ouais. Franchement, je me souviens de ça. D'accord. Je me souviens.
Bon, et on avance comme ça les premiers mois, et après, comment ça évolue? En fait, il y a quelque chose, c'est même pas lié au premier mois, hein. C'est dès lors que elle a quitté la maternité, dans les deux semaines, j'ai senti quelque chose qui n'allait pas. Pourquoi? Je sais pas. Elle m'a rejeté, clairement. En gros, je suis incapable de m'occuper de mon enfant. C'était des choses. Enfin, pour moi, c'était un non-sens parce que j'avais fait sa chambre. Bien évidemment, on apprend à être papa, donc il y a des choses que j'avais peur de faire. Par exemple, je me souviens quand je manipulais ma fille, j'avais peur de lui faire mal parfois. Donc, je pouvais lui poser quelques questions et elle le prenait mal. Oui, tu connais rien, t'as pas d'instinct. J'ai l'impression que pour elle, j'étais pas grand chose en fait. Mais je me rendais pas compte. Les premiers mois sont une union en fait très très forte entre la mère et l'enfant. Et parfois, on peut se sentir un peu exclu en tant que père de cette espèce de symbiose et de rapport très presque intime qu'il y a entre le bébé et la maman. Mais c'est normal en fait. Normalement, il faut réussir à passer par-dessus, mais c'est un processus logique. Bon. Et la séparation, c'est au bout de combien de temps? Oh, c'est au bout de 5 mois. Même, elle m'en parlait bien avant. Elle me disait que de toute façon, je finirais pas ma vie avec toi. Elle a commencé à dire ça quand? En fait, comment ça s'est produit? C'était sans cesse des provocations que je comprenais pas. Elle pouvait tout était moyen de pouvoir créer un conflit. Voilà. Et ce qu'elle cherchait, je pense, c'est que j'explose et que je lève la main sur elle. Vous avez un caractère qui est bouillonnant, vous, ou pas? Je suis impulsif. Je suis pas violent, mais je suis impulsif. C'est-à-dire que, et d'autant plus que, je pense, hein, ce qu'elle n'aimait pas, c'est que quand pour moi il y a un problème, il faut le résoudre. Et donc du coup, quand il y a des choses qui se passaient mal entre nous, j'essayais de discuter avec elle, de trouver le moment pour pouvoir échanger avec elle, et elle fuyait à chaque fois la discussion. Ça l'intéressait pas, alors qu'elle savait pertinemment que ce qu'elle a pu faire, c'était pas forcément très bien, mais elle prenait pas ses responsabilités. Et elle cherchait, elle me dit oh je suis fatiguée, on verra ça plus tard, ou elle changeait de pièce. Enfin dit comme ça, ça peut paraître dérisoire, mais quand vous accumulez les choses, vous vous dites au final, il peut se passer quoi que ce soit, ce sera toujours vous le coupable en fait. Une rupture, elle s'en va. Elle vous annonce qu'elle s'en va ou vous rentrez chez vous, vous trouvez la maison vide? Non, elle me l'a annoncé. Elle vous l'a annoncé. Oui. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Elle m'a dit que je vais chez mes parents. Elle a dit là maintenant, ça y est, je pars, je monte dans la voiture, je m'en vais. Non. C'est, en gros, elle est partie à partir du moment où on a eu notre premier rendez-vous en médiation. Elle était présente à ce rendez-vous? Bien sûr, oui. D'accord. Je veux dire, vous la voyez partir, vous l'avez vu monter dans la voiture, vous l'avez vu partir. Non, elle devait revenir du travail, elle a pris ses affaires, elle est partie. Bon, et là, vous avez des nouvelles tout de suite ou il y a un blanc?
Oui, mais elle me dit que je chercherai pas à éloigner ma fille de moi. Elle me dit que ce serait bien que tu me verses une pension alimentaire. C'était plus ces sujets-là, en fait. Mais c'était après, t'as commencé à aborder ces choses-là après la rupture. Ah oui, dès lors qu'elle est partie chez ses parents, en fait. D'accord. Et il y avait combien d'heures de route entre chez vous et chez ses parents? 3 minutes. J'ai quitté également le domicile. Oui. Parce que, comme je vous l'avais indiqué, il y avait pas mal de conflits entre nous, pas mal de violences et de provocations de sa part. Et moi, j'étais vraiment très, 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 très à fleur de peau et très sensible, parce que je savais que je n'allais plus vivre avec ma fille. Et de la violence, il y a eu des coups, il y a eu des... Ah oui, il y a eu des coups. Ah oui. Dans quelle direction? Elle m'a frappé au visage alors que j'avais ma fille dans le bras. J'étais assis sur la rocking chair avec ma fille et elle est venue me mettre un coup dans la joue. D'accord. Vous avez riposté? Non. Vous avez levé la main sur elle parfois ou jamais ou... Si, moi je lui ai déjà mis une claque. Il y a très longtemps, parce qu'elle était hystérique devant moi, en train de me frapper, de crier dans tous les sens. Et le seul moyen pour moi que j'ai trouvé de faire, c'était de lui mettre une claque. Et d'ailleurs, je m'en suis excusé, et j'en ai même parlé à son père. C'était avant la naissance de l'enfant, ça? Ah oui, largement, oui. D'accord, oui, mais c'est pas durant la séparation. Donc, elle va chez ses parents, qui sont à 3 minutes de chez vous. Vous voyez l'enfant? Vous voyez Léonie? Justement, c'est grâce à la médiation que j'ai pu voir ma fille. Donc, d'une certaine manière, j'avais pas envie d'y aller, pour être honnête. Mais je me suis dit que, quand j'ai vu le courrier, je me suis dit, je vais quand même y aller parce que c'est pour ma fille. Et lorsque je suis arrivé à la médiation, déjà, c'est un environnement qui est très féminin. C'était très impartial et on nous a mis à l'aise sur la situation, comment sur le déroulement et autres. Et je me souviens que la médiatrice lui avait posé la question pourquoi vous voulez pas que votre conjoint ou votre conjoint ne voit pas ses enfants. Et elle lui a répondu parce qu'elle est trop petite. Et du coup, grâce à cet échange que j'ai eu en médiation, j'ai pu avoir au moins un week-end sur deux. For the victims that I've seen, and for the stairway they all have gone to see what's on the way. Like for the endless, I will seize them all and return our million souls. Donc vous l'avez un week-end sur deux durant combien de temps? On va dire juste avant le confinement. Ok. Juste avant le confinement. Ça a été respecté, ça s'est bien passé? Dans des tensions parfois, c'est-à-dire que quand je récupérais ma fille, elle me parlait mal ou elle était abrupte ou même la première fois où j'ai récupéré ma fille, elle m'a empêché de partir. Elle voulait pas en fait, une partie d'elle qui non, voulait elle voulait pas. Elle avait du mal à se séparer de l'enfant, en fait. Elle montait à la fenêtre, et mes pieds... Bah oui, il paraît que c'était... le petit, là... Elle avait beaucoup, beaucoup de mal à se séparer de l'enfant. C'était la première fois qu'elle se séparait de l'enfant, en fait, depuis qu'il était arrivé au monde, peut-être. Faut assumer ses choix. Elle a voulu qu'on se sépare pour, je pense, refaire sa vie. En ce sens, j'ai un enfant avec elle. Forcément, il me paraît naturel de voir mon enfant et que mon enfant me voit. Bien sûr. Elle a déroulé son mode opératoire qui était calculé depuis très longtemps. En fait, tout était organisé déjà. D'accord. Donc en novembre dernier, donc en 2019, oui. Vous voyez arriver un avocat, une lettre d'avocat en fait, c'est ça?
elle bloquait l'accès à la boîte aux lettres. Parce qu'il y avait qu'une clé de boîte aux lettres. Et du coup, bah, moi, je n'étais pas censé savoir qu'en gros, elle avait un avocat. Et c'est en janvier, quand je lui demande de me fournir un double des clés, je me rends compte d'une lettre d'une avocate qui dit que voilà, on va saisir le juge, machin. Du coup, ben moi, j'informe, je vais voir mon avocate et je dis, ben voilà, j'ai reçu ça et voilà. Et ça, ben c'est pas très cool. Donc vous avez reçu ça en novembre 2019. Ben je l'ai découvert en janvier-février. Vous l'avez découvert mais en janvier. Mais le courrier est daté de novembre, oui. Oui, mais l'audience n'a pas eu lieu. Elle a saisi le JAF et pour l'instant, je n'ai aucune nouvelle. Vous connaissez ses demandes? Vous savez ce qu'elle va vouloir ou... Ah oui, clairement. Elle me demande un week-end sur deux et une pension alimentaire. Et je reçois des messages. Oui, je sais que tu as été augmenté. Essaie pas de m'arnaquer. Ce genre de choses, alors que je fournis des éléments pour ma fille. En fait, je lui ai pas versé de pension parce que je paye la crèche tout autant qu'elle, hein, mais je contribue à l'entretien de ma fille, de la nourriture et autres. Elle, ce qu'elle attendait, c'est de l'argent, clairement. Et j'ai un peu du mal avec ça, mais je sais très bien qu'à terme, je vais payer une pension. Je vis chez ma famille, chez mes parents, et elle vit chez ses parents. Et donc, il y a 40 minutes à peu près de trajet. Alors, mon conseil, hein, quand on a parlé un petit peu avant, c'est d'essayer de déconflictualiser tout ce que vous pouvez, de rester en proximité de votre enfant pendant qu'elle grandit. Là, elle a 1 an et demi, 2 ans. C'est un peu trop tôt pour la résidence alternée, mais elle va dire qu'elle a besoin de vous pour aller apporter de la chaleur. Mais surtout, il ne faut pas rentrer dans des problématiques ou des situations où vous allez arrêter de la voir. Ça, c'est extrêmement important. Par contre, à terme, il pourrait être intéressant de s'assurer que la mère ne puisse pas déménager, notamment lorsque l'enfant s'approche de l'école. Et ensuite, vous, de vous rapprocher, et dès qu'elle va intégrer la maternelle, la moyenne section, la grande section, de demander la résidence alternée, en vous plaçant à moins de 20 minutes du domicile de la mère, et en essayant de faire en sorte, à ce moment-là, que vous ayez pu démontrer que vous pouviez être fiable, travailler en bon entendement avec l'établissement scolaire, c'est peut-être la solution la plus raisonnable à envisager. Mais là, dans l'immédiat, je pense que c'est madame qui aura la garde et demander la résidence alternée un petit peu trop tôt. Bien sûr, je dis bien sûr comme ça, mais en fait, je l'ai intégré. Mais je comprends pas pourquoi. D'emblée, inconsciemment, que de toute façon, vis-à-vis de la justice, vous êtes perdant.
Et quand je dis perdant, c'est pas que vous espérez gagner quelque chose, mais c'est que votre place au sein de la famille, elle est nettement compromise, malgré la séparation. Et par rapport à ça, vous paniquez. Clairement, vous paniquez, mais vous savez pas trop comment gérer la chose. Vous saisissez un avocat, très bien. Mais l'avocat vous fait comprendre également qu'on n'éloigne pas un enfant de sa maman. Mais vous rétorquez assez rapidement que, par contre, on a le droit de l'éloigner de son père. Mais c'est pas vu comme ça. Et directement, les modalités de pension alimentaire sont sur la table et autres. En fait, moi, je vois la situation comme j'ai reconnu mon enfant, c'est pour la pension alimentaire. Malheureusement, le schéma de vie qui m'est imposé, elle peut très bien me dire non, c'est pas vrai, cet enfant était voulu, nanana. Mais quand je regarde avec distance la situation que je vis, je suis perçu comme ça. Parce que elle sait très bien qu'il y a une pension derrière, il faut absolument l'exclure, et puis c'est aussi, je pense, gênant pour elle que je reste indirectement dans sa vie, sachant qu'elle est clairement partie avec quelqu'un d'autre, quoi. Qu'est-ce qui est arrivé assez subitement, dès lors qu'elle a enchaîné ses séances, je pense, il en est ressorti, oui, je suis un pervers narcissique. Qui ça? Ah. Vous ou elle? Oui, moi. Ah, vous êtes un PN. Ah. Ouais. D'accord. Alors, vous êtes une très très grande famille, vous inquiétez pas. Je suis un PN et moi ça m'a fait mal au cœur sincèrement parce que déjà j'avais pas compris qu'est-ce qu'elle me disait parce que j'avais entendu pervers arsenic et je me suis dit c'est quoi ce truc-là. Donc je suis parti regarder sur internet et en fait c'est comme vous dites un pervers narcissique et c'est un truc de dingue quand même. Quand je regarde la chose, je me suis dit, mais en fait, c'est plutôt elle, si je devais définir la chose. Enfin, en regardant ce que j'ai pu voir sur Internet, je remarque plus sa personnalité que la mienne. Ouais, mais la majorité des ruptures actuellement sont sur une base pervers narcissique contre aliénation parentale. C'est que les pères arrivent et se plaignent d'aliénation, de difficulté à avoir leurs enfants, d'enfants qui se retournent contre eux. Et les mères disent que les pères sont des PN, ce sont des gros enfants. Qui cherche à les détruire, à massacrer, oui, voilà, le monde sans aucune émotion. Et en fait, la plupart des dossiers qu'on voit passer maintenant au tribunal familial sont sur ces deux lignes. Et ce sont deux lignes très improductives qui n'aboutissent généralement sur aucun résultat, sauf à éloigner les enfants de leurs parents et à agrandir les factures qui sont payées aux avocats. Est-ce que les avocats vous ont aidé à faire de la conciliation ou est-ce que les avocats ont enflammé l'affaire? Alors, mon avocate a justement parfois me contenait. Elle me disait, écoutez, vous pouvez pas dire les choses ou amener les choses sous cet angle-là. C'est pas bon du tout. Moi, je pense que mon avocate, en tout cas, elle cherche justement le dialogue et l'entente. Et mais son avocat, pas elle, du tout. D'accord. Pas du tout. Pas du tout. C'est le conflit. Elle répond pas forcément aux échanges. Il y a de la manipulation. Je pense sincèrement que c'est pas forcément non plus une bonne chose. Enfin, ça arrange pas forcément les choses, en fait, les avocats. Pour l'instant, vous avez Léonie un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires parce que vous êtes entendus ensemble avec la maman. Pour l'instant, ça tient, c'est respecté. Je demande plus, un week-end sur deux, moi, je pense. Enfin, pour moi, voir son enfant deux fois par mois, je trouve pas ça normal, en fait. Non, nous sommes d'accord, nous sommes d'accord. Pas eu de problème de police? Si, ça s'est passé par exemple pendant les vacances de Pâques où j'avais récupéré ma fille pour mon week-end et puis j'ai enchaîné avec la première semaine de vacances comme convenu et la maman s'est plainte du fait que je n'ai pas déposé ma fille chez elle le vendredi alors que on avait convenu une semaine chacun.
Donc je comptais la redéposer dimanche, je lui avais indiqué la chose. Et du coup, la gendarmerie s'est déplacée à mon domicile, et, accompagnée de la maman, me demandant des comptes. Et donc j'ai exposé la situation, ils sont repartis. Et donc la maman se plaint d'un passage de bras qui se fait une date qui ne lui convient pas. La police, la gendarmerie se déplace chez vous. Ils sont venus à combien ? À 6 au moins. Ils sont venus à 6, ils sont restés combien de temps ? Une demi-heure. D'accord. Finalement, ils sont repartis, ils vous ont demandé des garanties, promettre des choses, et puis ils sont repartis, et le dimanche, vous avez rendu l'enfant. Comme convenu, mais c'était déjà convenu avec la maman comme ça. Ah, donc elle est allée voir la police, s'est déplacée avec elle à 6, ils ont passé 30 minutes chez vous, ils sont repartis. D'accord. Il y a eu un autre incident ? Oui, il y a eu un autre incident. Quand je suis parti pour mon week-end, à la suite de cet événement, donc 2 semaines après, pour le week-end sur 2, elle m'a refusé l'accès à ma fille, et du coup, j'ai toqué avec insistance puisqu'elle répondait pas, et la police s'est déplacée. D'autant plus que j'avais prévenu la police, puisque je comprenais pas pourquoi madame s'est déplacée avec les gendarmes, et donc moi j'ai appelé la police, ils m'ont dit nous on se déplace pas pour ça. Le droit de garde suivant se passe mal. La gendarmerie, c'est bien. Le droit de garde suivant se passe mal. Le passage de bras suivant se passe mal. J'ai pas pu voir ma fille. Et vous avez pas pu voir votre fille. Et là, la police s'est déplacée aussi chez madame. Oui, la police s'est déplacée chez madame pour me demander ce que je faisais là. Je leur ai expliqué. Pour vous demander ce que vous faisiez là. Ils sont pas déplacés à votre demande à vous. Ah non. C'est bien pour ça que je vous ai précisé le fait que, au préalable, lorsque j'étais sur le trajet, j'ai contacté la police pour leur dire que je souhaite récupérer mon enfant puisque c'est mon week-end et la maman va s'y opposer. Est-ce que vous pouvez vous déplacer? Ils m'ont dit non. J'ai dit je vais quand même y aller. Il me fait, vous faites ce que vous voulez. J'y suis allé, j'ai toqué avec insistance, elle n'a pas du tout réagi. Et c'est la police municipale qui m'a reçu. D'accord. Donc en fait, Je leur explique. Donc en fait, vous, madame, indique que le passage de bras lui convient pas, ils viennent chez vous à 6. Et vous, par contre, la fois d'après, lorsque vous voulez avoir l'enfant, la police ne veut pas se déplacer. Et quand vous y allez avec insistance, elle se déplace cette fois pour vous demander pourquoi est-ce que vous êtes là. C'est ça, hein, j'ai bien Exactement. Compris. Exactement. Hein. D'accord. Exactement. Donc, effectivement, une petite différence de traitement. Est-ce qu'il y a eu d'autres incidents que ça ou c'est tout? Ça s'est résolu? En gros, elle m'avait demandé de faire une attestation comme quoi si je veux récupérer ma fille, que je signe ces conditions, ce que j'ai refusé. Et puis les avocats ont tenté de trouver un accord. Mon avocate en l'occurrence a cherché l'apaisement et a engagé auprès de son avocate une demande de convention et une médiation familiale à nouveau. Et du coup, son avocate s'est engagée à faire une convention. Jusqu'à présent, elle répondait pas. Et puis là, je suis dans l'attente. Mais comme je l'ai précisé à mon avocate, si c'est pour un DVH, ça sert à rien. Enfin, ça sert à quoi? Ça sert à quoi de faire une convention pour un DVH? C'est pour éviter que vous êtes trippié devant le tribunal, qu'elle vous accuse de tout pour vous empêcher de voir l'enfant. C'était déjà la situation actuelle. On est le jour où elle arrive devant le tribunal en disant que vous vous comportez mal, que l'enfant souffre, vous le battez et autres, l'enfant vous le voyez plus. Tandis que si elle signe un papier avant en disant qu'elle est d'accord, on peut pas revenir dessus. Oui, mais devant le tribunal, le juge va confirmer la convention simplement. Mais je crois même pas que c'est l'intérêt de faire une convention avant d'aller au tribunal, c'est d'éviter justement les étripages des avocats durant les faibles 15 minutes qu'on vous accorde. Mais se contenter d'un week-end sur deux. Pour conclure, quelle est l'inquiétude que vous avez actuellement? L'inquiétude, c'est de ne plus voir mon enfant, en fait. D'être éloigné peu à peu de la vie de ma fille. Parce que, comme je le rapporte, hein, un DVH, pour moi, c'est une grande arnaque. Ce n'est pas, je suis désolé, un droit de visite et hébergement de 2 jours par mois, qu'est-ce que ça veut dire dans la vie d'un enfant? Très rapidement, vous allez être éloigné de sa vie, si on reste sur cette base-là. Si je raisonne sur une tendance, je comprends pas, en fait, pourquoi sous prétexte que je suis un homme, j'ai l'impression que je n'ai pas le droit de me fait comprendre que déjà demander la garde alternée, c'est comme si je commettais un crime. Et quand je cherche à voir ma fille, ou du moins à m'impliquer davantage, à m'inscrire dans sa vie, la maman s'offusque,
me rejette alors qu'elle a voulu faire un enfant avec moi. Et maintenant que les choses se sont... voilà, elle a pris son chemin, je prends le mien. Je comprends pas pourquoi il y a un conflit, en fait. Et s'il y a un conflit, c'est pas moi qui le cherche, puisque je veux juste voir ma fille et passer du temps avec elle. Donc si devant la justice ou même entre avocats, on a du mal à voir que la maman cherche le conflit et à m'empêcher de voir ma fille, je sais pas trop. Je comprends pas trop, en fait. Il faut dire clairement les choses. Dans ce cas, faut prévenir les jeunes hommes ou même le déclarer à la télévision ou informer les gens que devant la justice, les pères n'ont pas de droit, tout simplement. Faut dire les choses. Et voilà. Parce que moi, mon sentiment, c'est indirectement de m'être fait d'être pris au piège, en fait. Et d'autant plus que ma fille me réclame. Je le ressens, je le vois. Donc tout comme sa mère, je pense que ma fille la réclame. Jamais une seule fois, je me serais permis d'éloigner ma fille de sa mère. Jamais j'aurais pensé une chose comme ça. Mais en tout cas, à l'inverse, c'est tout à fait possible et tout à fait légal. Voilà. Ok, merci David. Vous nous tenez au courant lorsqu'il y aura une audience et d'autres événements, d'accord ? Oui, oui. Merci. Merci à vous. Voilà, c'était l'épisode numéro 16 de J'ave ta mère depuis les studios de RLP, 102.3 FM, le site internet de l'association équitéparentale.com, n'oubliez pas le blog sospapa24.com, ainsi que les pages Facebook, association équité parentale, une page nationale ainsi qu'une page par département. Soyez sages et à très bientôt. Au revoir. J'ave ta mère. Laughter!